C'est du bidon. Sur l'écran, il frime, mais dans la vie, il n'y a plus personne. Schwarzenegger, par exemple. Tout le monde bave d'admiration devant lui. Le super costaud, la bête, la brute. Bon, je reconnais qu'il est baraqué. Dans les films et sur les affiches, il impressionne. Mais dans la vie. Schwarzenegger, mais représente moins que zéro. Et je suis bien placé pour le savoir. Il habite à la maison. Il fait la cour à ma femme. Mais il se cache de moi. La trouille. J'ai beau l'appeler à travers toutes les pièces pour qu'il se montre et qu'on s'explique entre hommes, à la loyale. Pas de réponse. Il se planque. Une petite souris terrifiée, je vous dis. Ma femme aussi crève de trouille. Oh, elle doit bien se rendre compte que ce n'est que du vent, son Schwarzenegger. Elle s'accroche à moi, se laisse traîner sur 10 mètres. Daddy, Daddy, c'est un stupide, elle ne fait pas de masse. Faut pas qu'il m'énerve. Laisse-le partir. Sois chic avec lui. Si je le trouve, je lui fais sa fête. Mais je le trouve pas, ce dégonflé. Il se défile. Dans les journaux, on prétend qu'il est timide, tu parles. Il apporte se faire démolir sa belle petite gueule d'amour. Montre-toi, Schwarzy. Je ne te toucherai pas. Parole d'homme. Je suis sincère. La seule chose que je veux, c'est l'avoir devant moi. Et lui dire en le regardant dans le fond des yeux: tu n'es qu'une lopette!
Schwarzenegger. Retourne au cinéma, là, tu peux faire illusion. Mais ici, chez moi, tu n'existes pas. Je l'attends. De pied ferme. Personne. Oh! Le 13e travail d'Hercule. Trouver du boulot. Faire du théâtre, l'unique manière de pas s'y ennuyer. Mais dites-le avec du poisson. Le langage du poisson est aussi poétique que celui des fleurs. Sale temps. Les bouches pètent. Quand on prononce le mot concupiscent, eh ben on dit aussi un peu caca. Il suffit d'un gramme de merde pour gâcher un kilo de caviar. Un gramme de caviar n'améliore en rien un kilo de merde. Vous avez de très belles mains, comme les pieds de Platini. Savent plus quoi faire. Dans les boîtes de nuit, ils agitent leur ennui. Ou bien à la maison, il faut tourner en rond. Moi, pour me mettre en joie, j'ai un petit mode d'emploi. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait circuler le sang, et puis c'est élégant. Si vous aimez le mouvement, faites plus rapidement. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Laisse-moi refaire ma vie. Je vais vous quitter, Henri. Si les assiettes étaient garnies, le tir au pigeon serait bien plus spectaculaire. Il faut savoir profiter des mamans propices.